Boucher et je suis l'auteur d'une série de romans jeunesse appelée « Les aventures des trois mousquetaires ». Les trois mousquetaires, ce sont trois écoliers qui, accompagnés de leur chien, ont décidé de partir une agence de détectives. Il y a Gabriel, Anya, Mamadou et Dali. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Chien d'or de Québec, qui est le 9e roman de la série. Le Chien d'or est une légende bien connue dans cette province, et dans ce livre, les trois mousquetaires gagnent un voyage à Québec. Ils se rendent donc dans cette ville en compagnie de Mamie Georgette, la grand-mère de Gabriel. Arrivés dans le Vieux-Québec, les amis voient une sculpture qui date de 300 ans sur laquelle se trouve un chien recouvert d'or et qui est à l'origine d'une légende bien connue dans la région. Et, en dessous de cette statue, se trouve un étrange message. Un message qui se lit comme suit. « Je suis un chien qui ronge l'eau. En le rongeant, je prends mon repos. Un temps viendra qui n'est pas venu, que je mordrai qui m'aura mordu. » Peu de temps après, les témoins affirment avoir vu un étrange chien en or rôder dans les rues de la ville. Puis, Gabriel lui-même voit un chien en or au-dessus de la porte Saint-Jean. Alors là, les trois mousquetaires vont se trouver confrontés à un animal fabuleux qui semble posséder des pouvoirs surnaturels et ils vont devoir faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour percer ce mystère qui les mènera au cœur même de l'histoire du Vieux-Québec. Je ne vous en dis pas plus, mais je suis certain que vous aimerez beaucoup ce roman qui saura vous divertir pendant vos vacances d'été.